son ticket, qui a son ticket. Coucou tout le monde, comment vous allez? J'espère que super bien. Alors, je vous avais dit que j'étais allée au concert de Constance et que j'allais faire un récap. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un peu quelques extraits du concert. Franchement, c'était très magnifique. J'étais très excitée à l'idée de participer à ce concert. Constance, c'est vraiment une femme que j'apprécie beaucoup. Bref, trêve de bavardage, pardon. Je vous montre les extraits. Bon, avant de me rendre au concert, mon cher, j'ai fini le culte le matin. J'ai très bien mangé en famille. Et puis après ça, direction Saoum, on a fait le concert là à Dresch Villa. Voilà, donc je suis arrivée un peu en retard. Mais que j'avais ma place VIP, je me suis bien assise. Let's go avec les Heaven Singers. Franchement, cette chanson, je la connaissais pas, mais elle est juste magnifique. Écoutez ça. Et ton amour et ton amour et ton et son changement, ton amour est tellement solide, son papier. Ton amour me supplante, je me sens empaillé par la joie qui grandit tout au fond de moi. Je fais monter un chapeau par moi. Toi-même, tu as entendu ce début. Est-ce qu'on a besoin de te dire qu'on a fait le show là-bas? Et en tout cas, on a crié des Heaven Singers toujours au top. Franchement, mes grands frères là, je les adore. Bisous, ils mettent toujours l'ambiance. Franchement. On continue maintenant avec la V-Team. Franchement, ils nous ont enflammés, ils nous ont fait du bien. C'était vraiment top. J'ai adoré. On a fini avec les extraits des autres artistes. Là, c'est la mère Constance qui s'apprêtait à monter sur scène. Donc maintenant, on va avec les extraits de la prestation de la mère. Wouh! J'ai envie de retourner là-bas. Suivez. Entends cette chanson, est-ce que j'ai besoin de te dire que le Saint-Esprit était là? L'atmosphère était juste incroyable. Je crois fermement que tous ceux qui sont venus avec des fardeaux sont rentrés chez eux, libérés, délivrés. C'était simple, c'était beau, c'était magnifique. On continue. Yeah.
ce silence que nos cœurs se prosternent pour lui dire que je t'aime, que je t'aime. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Et je que c'était juste magnifique, on faisait le show, donc là on partait vers la fin du concert. Laissez-moi vous présenter ma cousine d'amour, donc Zoé, gros bisous à toi ma chérie, on a passé le concert ensemble, c'était juste magnifique. Ah, en tout cas c'était la joie, vous m'avez vu, non, j'étais trop occupée, je me perdais même dans la chanson, mais bon. Sinon que le père de la maison Vase d'honneur a fait le déplacement spécial pour se rendre au concert de la mère Constance. Donc il était là, malheureusement il n'a pas chanté « À ma père », mais il a chanté « Que t'oreilles ». Ensuite, la sœur Déborah Loukalou était aussi présente. Elle n'a pas chanté aussi malheureusement, mais elle a salué rapidement et puis on était heureuse de la voir. Bon là, donc on est sur, vraiment sur la fin du concert. On est reparti dans les classiques, les vieux sons, donc Ibéi Wayé. Et puis, c'est quelle autre chanson là? Son incommensurable paix. J'ai oublié le truc là, le titre de la chanson. Surtout qu'on est allé sur les vieux classiques. Donc là, c'est la fin, tout le monde enjoy un peu, voilà quoi. Là, vraiment.
vraiment, c'est la dernière, c'est le classique des classiques, donc je puis tout par celui qui me fortifie. Donc je vous laisse enjoyer la complète chanson où je vais couper, on verra bien, vous verrez. C'est sur cette note joyeuse de Je puis tout que je mets fin à ce récap du concert de Constance qui a eu lieu, je pense, le dimanche 30 au 31 juillet 2023. Voilà, c'était juste magnifique. Et puis, on bénit le nom du Seigneur pour la vie de l'adoratrice Constance. Voilà, c'est un modèle et tout pour plusieurs. Et que Dieu continue à nous faire du bien au travers de sa vie. Voilà, que Dieu vous bénisse et ciao! En beauté, je ne peux pas partir sans faire une photo avec mon artiste. Donc voilà.